Aujourd'hui, je vais vous présenter le Pittosporum tenifolium golf ball. Le Pittosporum golf ball a été une amélioration des Pittosporum tenifolium qu'on peut trouver sur la côte bretonne ou qu'on peut trouver aussi dans le sud de la France. L'intérêt de ce Pittosporum, c'est un Pittosporum qui pousse naturellement en boule. On a une à deux tailles l'année pour le maintenir de cette forme-là. Donc tout l'intérêt d'une variété naine compacte. Pour ce Pittosporum, si on le laisse pousser, on va avoir un effet moutonnement. Si on veut le rendre un petit peu plus strict, eh ben c'est deux à trois fois à l'année de passer une cisaille, juste de la forme que l'on souhaite, plutôt boule en règle générale. S'il est planté en pleine terre, le Pittosporum a très peu besoin d'arrosage. Par contre, s'il est en pot, en bac, il va falloir l'arroser régulièrement sur le printemps-été, une à deux fois à la semaine. Le Pittosporum tenifolium golf ball peut être planté à peu près dans les trois quarts de la France. On évite dans les régions montagneuses parce que c'est une plante qui peut souffrir des gros coups de froid. Donc plutôt dans un sol drainant à planter et puis à protéger en cas de froid au-delà moins 10, moins 12. Le Pittosporum est toute l'année de cette forme-là et en même temps persistant avec ce petit feuillage assez léger. Le Pittosporum tenifolium est un persistant, donc on aura du feuillage toute l'année. Je déconseille de mettre ce type de plante à l'intérieur parce qu'il va manquer d'humidité, la chaleur ambiante du chauffage va faire qu'on va avoir une plante qui va dépérir. Si vous avez décidé de le mettre en bac, au bout de 2-3 ans, la plante va avoir faim. Donc il va falloir soit lui redonner de l'engrais, soit de le remplanter dans un bac beaucoup plus grand. Voilà, vous savez tout sur le Pittosporum tenifolium golf ball. À bientôt sur aujardin.info.